Decoy, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Je crois qu'il faut que je vous explique une vanne pour démarrer cette émission. Des enfoirés. Ça va, Justin? Ça pourra aller mieux. Hein. Vous êtes des salauds. Justin, alors, je vous explique parce que vous êtes chez vous, évidemment, vous ne voyez pas. Non. Justin est en pyjama. Ouais, bah. Pourquoi pyjama? Et là, je me dis. Et là, vous dites tous, mais pourquoi Justin est en pyjama? Et le seul de toute cette équipe à être en pyjama? Parce que je reçois le texto, demain, émission, tout le monde en pyjama, genre on fait la fête et tout. Genre on est fatigué, venez tous en pyjama. Eh ben moi je suis venu en pyjama, quoi. Et je pense que je suis le seul. Elle est bonne, cette vanne de merde, non? Justin, je suis venu en pyjama, donc déjà dans la rue j'avais l'air con, j'ai dit c'est pas grave, ça va arriver à la radio, tout le monde en pyjama. Parce public. Que depuis tout à l'heure, ils nous regardent, ils disent mais je comprends pas, c'est pas aujourd'hui, on se dit mais si on va changer au dernier moment, mais non. Eh bien, voici pour la peine. C'est bien, ça me donne une idée. T'es prêt? T'as pris une photo de Justin? Ouais, j'ai la photo. Voici le défi Facebook. On a eu l'idée juste avant de démarrer l'émission. Vous savez, en ce moment, il faut faire des économies. Oui. Regardez, hein, tout le monde fait attention, c'est après les fêtes et tout. Ouais. Pour faire des économies, il y a le covoiturage qui est une solution qui est adoptée maintenant. Eh bien, maintenant, ils vont faire du colitage. Le principe, c'est d'aller dormir chez quelqu'un. Eh bien, Justin, tu vas donc inventer le colitage. Bah, attends. Le principe est simple. On dit 20 000 ou 30 000? J'ai déjà l'air con comme ça. 20 000 pour qu'il y ait le temps. 20 000, allez. Comme ça, il y va tôt. C'est excellent. Oui. 20 000 likes sur notre Facebook. Et à 20 000 likes, Justin, tu pars dans la rue, dans le quartier, en pyjama. Je vais pas avoir froid en plus. Tu me trouves n'importe quoi, ce que tu veux, la niche du chien, pas la chambre de la petite, on va se mêler, la chambre des parents, ce que tu veux, de la vieille, du canapé de vieille, ce que tu veux. Donc et tu vas dormir chez quelqu'un. Et si tu n'as pas trouvé, tu dors dehors. T'es fou, quoi. Bah ouais, non, t'es où là? Je suis là, c'est bien, je suis pas loin, je suis au monitor et il y a un bâtiment. Allez, vas-y. Allez, sonne. Bonjour, vous êtes le gardien? Ah oui, c'est marqué. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Justin. Je suis un garçon très bien, mais voilà, je voudrais en fait savoir s'il est possible de faire du colitage ce soir. Ah, on n'a pas entendu là. Je voudrais savoir si c'est possible de faire du colitage. Du colitage. C'est un peu comme du. Ça pue là. Justin, je vais te laisser négocier avec les voisins. Le gardien, c'est mort. On va prendre ces nouvelles ou pas? Ouais. Allez, on y va. Va passer moi Justin. Allô? Allô? T'entends? Oui. T'as froid. Hein. Putain, vous êtes des salauds quoi. Bah, dis donc. J'en ai marre de courir partout. Oh, pas que je suis chaud. Hey, sois bon et tu feras du colitage. Mais oui. Bah, là, on est mal barré. Hein. Sois bon et tu. Ah oui, c'est vrai que ceci dit, plus on attend, plus tu vas te faire recevoir. Bah oui, 23h40. Et entre temps, tu t'essayes pas d'aller chez les gens? Bah, bien sûr que si, j'arrête pas. Mais déjà, quand j'arrive à rentrer, là, j'ai fait un bâtiment là, il y a un quart d'heure. Ils sont tous descendus, ils ont tous gueulé et tout. Je rappelle qu'il est en pyjama. Ouais, oui, en plus j'ai l'air con, je suis en pyjama avec des baskets. Bah, au moins t'es prêt à dormir. Ouais. Allez, on y va. Bah, je vais taper à une porte alors. Bah, je te laisse faire. Je vais taper une porte. Ah, on va voir. Ça à 23h40. Déjà, est-ce que ça va ouvrir les gens? En théorie, t'es content. Tu dis papy, habite eux. La gueule police. Ah, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi de me déranger. Est-ce que je m'appelle Justin? Oui. Vous connaissez le covoiturage? Non. C'est quand plusieurs personnes prennent une même voiture pour aller d'un endroit à un autre, pour éviter de payer en fait l'essence ou des trucs comme ça. Et moi, je voudrais essayer en fait le colitage. Attends, il faut que je rallume la lumière. Bougez pas. La lumière s'éteint. Et donc, c'est, en fait, si vous voulez, je suis déjà en pyjama, comme vous le voyez, et j'ai aucun endroit où dormir. Ouais. Donc, je voudrais savoir en fait si c'est possible de pouvoir dormir chez vous, m'héberger, un truc comme ça, et même un petit endroit. Je vois que, voilà. Non, c'est pas possible, je vous connais pas. Vous êtes le mari là, d'accord. Est-ce que tu as envie de te le taper? Non. C'est le. Je m'appelle Justin. Ouais, enchanté. Enchanté. Ouais, d'accord. Je ne sors pas la main. Je m'appelle Justin, j'ai 25 ans et en fait, et je voudrais essayer le colitage. C'est un peu comme le covoiturage, mais avec le lit. Et ou en tout cas l'appartement. Ouais, tu veux dormir avec ma femme en gros, c'est ça? Oui. Éventuellement, non. Éventuellement. Mec, il est con. Mais vas-y, va taper chez quelqu'un d'autre. Vas-y, c'est bon, là, dégage.
Mais je sais pas, vous avez peut-être une petite une armoire. Vous avez une armoire genre dedans, y'a pas de problème. Je peux en faire juste un. Pyjama rayé là, tout pourri là, tu crois où? Putain, en plus c'est mon pyjama quoi. Ouais, bah ouais, bah vas-y, arrache-toi. Bah c'est. Une petite place quoi. Y'a pas de place. Nous, je dors dehors. On est en plein mois de juillet. Dis-lui que tu as quoi là, des clochards dans la rue, tu dors avec eux, tu fais tout. Dis-lui que tu peux t'occuper de sa dame pendant que tu veilles dehors. Tu viens de très très loin et tout en plus, donc c'est compliqué. Non, allez, c'est bon. Rentre. Ouais, pousse. Non, pas de place, rien du tout. Mais si je peux visiter et si je trouve une petite place. Ouais, t'as raison. Ah oui, là, on en est au tu peux t'occuper de sa femme pendant qu'il dort. Insistez pas, en plus les voisins ils vont avoir peur, ils vont appeler la police. Bah les voisins ils vont pas appeler la police, au pire à ce moment-là j'irai dormir chez eux. Bon vas-y, maintenant je vais m'énerver, donc vas-y va-t'en, sinon je vais le frapper. S'il vous plaît. Non, mais allez, les gars. Dis je t'emmerde. Dis-lui, vas-y, je t'emmerde. Attendez, je vais allumer la lumière parce que sinon je vais pas comprendre. Vas-y, dis-lui, je t'emmerde, je suis à ouf. Donc, je veux juste dormir, je suis. Allez, je vais jeter dans les escaliers. Quoi ? Jeter dans les escaliers. Allez, je t'emmerde, Jimmy. Dis-lui, je t'emmerde. Dégage, allez, sors. Bah, allez, au pire, c'est pas grave, je t'emmerde, je prends à ta femme et tout. Allez, vas-y, dégage. Non, franchement. Une petite. C'est votre dernier mot? Non, ah oui, je crois, c'est dommage. Me cherche pas, je te jure, je vais te frapper. Propose le paillasson. C'est dommage. Je vais te frapper, dégage. Alors attends qu'il referme et tu te remets sur le paillasson et tu refrappes. Et ouais, tu dors sur le paillasson. Tu dis, je me mets là. Il s'entraîne de fermer. Oh là là, Justin, à la porte. Le loser. Crie, enculé. Justin, c'est pas un tac au tac. Ouais, crie à la porte, crie, enculé. Même là, je peux même pas dormir sur votre paillasson devant. Non, attends, bon, je m'en vais. Alors, relou. Allez, bon. Eh ben, écoutez, je. Pour l'instant, bon. Eh, mais du coup, il dort dehors. Ouais, il dort dehors. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, moi, je vais rentrer. Hein. Mais je vais pas sonner comme ça les portes toute la nuit. Ah, bah, essaye, il y a des gens qui vont t'ouvrir, je pense, hein. T'inquiète. Hein. Non, mais je vais pas dormir dehors non plus. Allez, raison. Moi, je vais rentrer chez moi là. Non, mais tu vas rester avec moi, mon gars. Ah non, c'est bon, là, je rentre. J'ai un peu froid, je t'ai suivi toute la soirée, c'est bon. Non, mais attends, tu vas pas me laisser en galère. Là. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est que nuit. C'est que nuit. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vas rester avec moi, mon gars. Au pire, je dors chez toi. Ah, c'est pas possible. Non, c'est mort, mec. Je suis dans un 9 mètres carrés, c'est tout petit, j'ai pas de place. Même pour moi, j'ai pas de place. Non, je suis désolé. Justin, je suis désolé. Salut. Non, c'est bon. Allez, je t'envoie la vidéo demain, t'inquiète. À demain, ciao. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Koé.